Au petit matin, alors que les premiers rayons du soleil ne se sont pas encore montrés, la garnison de mon armée et des compagnons de Cerbère a été réveillée en sursaut par les cornes des éclaireurs de l'autre côté du fleuve. Une armée est en route. Elle est composée de troupes du royaume d'Aorcy et d'Illyrie. Les estimations sont claires. Près de 10 000 hommes arrivent pour forcer le passage vers le sud. Bien que composée de 3 000 têtes, notre armée se doit de les arrêter, coûte que coûte. Heureusement, présente depuis quelques semaines, j'ai eu le temps d'analyser le terrain. Il n'y a que deux passages pour traverser le fleuve. Un pont que nous pourrions détruire, me direz-vous. Mais il a été choisi de le garder pour faciliter l'invasion des terres des Balkans. Le deuxième endroit par lequel nos ennemis pourraient traverser est un passage à gué un peu plus au nord. Nous ne savons pas comment les troupes ennemies vont se déployer. Nous devons donc nous préparer à toute éventualité en préparant un déploiement permettant de se repositionner facilement. J'ai décidé de diviser nos troupes en deux. Au sud, au niveau du pont, 6 groupes de hoplites et 6 groupes de peltastes sont déployés. Au nord, on y retrouve le reste des hoplites. Je compte sur la maniabilité des troupes de peltastes légères pour changer de front rapidement en cas de problème. Alors que les premiers rayons du soleil se font apercevoir entre les branches des arbres, les troupes ennemies sont enfin en vue. Elles sont presque toutes postées au niveau du passage à gué. Dès que je m'en rends compte, j'envoie des messagers au sud pour leur demander la réquisition des peltastes ainsi que quelques troupes de hoplites. Très vite, les premiers ennemis mirent le pied à l'eau et commencèrent à traverser le fleuve. Le corps à corps s'engage à l'avantage de Sparte. Les attendant, les pieds dans l'eau mais pas plus profondément, nos hoplites sont en formation serrée et ne laissent sortir personne vivant de ces eaux. Le combat est violent. Beaucoup meurent dans chacun des camps. Après une bonne heure d'un combat au corps à corps acharné, les peltastes arrivent enfin à soutenir nos hoplites. Ils se mettent sur un des bords de la rive, là où l'eau est trop profonde pour traverser. Sur cette position un peu en hauteur, ils peuvent faire pleuvoir leurs projectiles sur nos ennemis. Cette situation durera. Cela fait déjà 4 heures que la bataille a commencé, et nos peltastes n'ont plus de projectiles. Et malgré les morts par centaines, nous avons l'impression que nos ennemis sont plus nombreux qu'au début de la bataille. Nombre de Spartiates tombent à côté de moi. La plupart meurent de fatigue, ils sont exténués. Nous ne sommes pas assez nombreux pour nous relayer correctement en première ligne et cela se fait ressentir. Nous avons demandé des renforts du pont, mais eux-mêmes sont débordés par les troupes de pilleurs ennemis. Pour couronner le tout, ils ont fait venir des frondeurs qui nous balancent caillou sur caillou. Mes hommes tombent, se prenant les projectiles dans la tête, la traversant de part en part. J'ordonne de resserrer les rangs. Mauvaise tactique dans la plupart des cas, mais en étant au corps à corps de l'ennemi et ne pouvant se faire contourner, tirer sur nous est pour eux plus difficile. Ils risquent de toucher leurs troupes tout autant que les nôtres. Cela fait déjà 7 heures que la bataille a commencé. Nous sommes épuisés. Nous n'avons rien mangé, nous n'avons plus de force. Nous n'avons qu'une seule chose, la rage de vaincre, la rage spartiate. Nous combattrons jusqu'à notre dernier souffle. Que les peltastes viennent au corps à corps, montrer la puissance de Sparte. 8e heure, rien ne change pour nous, si ce n'est notre nombre. Nous sommes de moins en moins nombreux. Je ne sais pas combien de temps nous pourrons tenir comme ça, mais à ce rythme-là, nous serons tous morts dans quelques heures. La bonne nouvelle dans tout ça vient du front sud. Ils ont réussi à prendre le dessus face à leurs opposants après 8 heures d'un combat acharné. Bien que vidés de presque toutes leurs forces, les survivants se mettent en marche et traversent le pont. Un peu moins d'une heure plus tard, ils arrivent au niveau du passage à gué. Nos ennemis ne les ont pas vus. Avancés dans l'eau, certains se retournent pour leur faire face, mais il est déjà trop tard. J'ordonne une mêlée générale. Que tout le monde lance ses dernières forces dans la bataille. Épuisés. Et pris en tenaille entre nos deux groupes et les parties profondes du fleuve, le moral ennemi est en chute libre. Certains tentent leur chance à la nage, d'autres essaient de fuir en forçant le passage. Certains se rendent, et finalement, après plus de 10 heures d'une bataille acharnée, nous sommes victorieux. Ce combat était d'une telle intensité, d'une telle violence, qu'il fallut plusieurs jours pour avoir un chiffre approximatif des pertes dans les deux camps. Nous estimons nos morts à 52% de notre armée, soit 1475 victimes. Du côté de la coalition des Balkans, sur les 9320 troupes déployées, nous en aurions tué 8427,
soit 9 soldats sur 10. Chaque Spartiate aurait donc tué en moyenne 3 ennemis. Qui maintenant serait assez fou pour se mesurer à Sparte? Nous avons conquis Rome, bien qu'il ne soit pas encore vaincu. Nous avons gagné des batailles que nombre de philosophes décriraient comme impossibles à gagner. Qui est maintenant assez fort pour nous défier? Mais ne crions pas victoire trop vite, car au nord et à l'est, des puissances émergent. Nous ne nous entendons pas mal avec eux pour l'instant. Mais technologiquement et militairement, ils représentent une réelle menace pour Sparte.